Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau hebdomadaire, hein, comme à l'habitude. On ne pouvait pas commencer cette semaine sans vous présenter le proms que l'on reçoit en plus aujourd'hui en plateau, pour une première fois en plus, tout court. Donc nous avons mis en proms aujourd'hui Tony Jazz. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Tony Jazz c'est un marketeur, donc il vous expliquera tout à l'heure comment c'est. C'est un entrepreneur et il a vraiment un parcours particulier. Il a déjà travaillé, eu l'occasion de travailler aux États-Unis avec des hommes qui sont quand même assez connus, on va dire, au niveau mondial. Il vous expliquera aussi ça tout à l'heure. Donc, il a grandi en Seine-Saint-Denis dans le 93 et il a décidé de faire un retour en Guadeloupe et il va travailler avec les Guadeloupéens afin de mettre en place certaines choses et de développer certains projets. Donc, nous avons décidé de le mettre en proms hein, cette semaine puisque c'est quand même un petit événement pour nous en Guadeloupe puisque vous allez voir que son parcours est assez vraiment particulier. Alors, on va vous faire passer une petite vidéo. Qu'il a fait et vous allez comprendre un petit peu ce que c'est. I have a dream. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better day. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you, we as a people will get there. This victory alone is not the change we seek. It is only the chance for us to make that change. Yes, we can. She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher from Atlanta who told the people that we shall overcome. Yes, we can. Prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can.
dis souvent, on a des Guadeloupéens qui sont trop forts, trop forts. Ils font vraiment des choses exceptionnelles. Et tout à l'heure, il va vous parler un petit peu de son parcours et du travail qu'il a fait en travaillant sur les campagnes de Barack Obama, comme vous avez pu le constater. Alors avant ça, nous avons un autre Guadeloupéen qui travaille très dur au niveau local et qui a racheté la librairie générale donc, en Guadeloupe. C'est ça. Donc voilà, donc bonsoir et merci d'être venu dans notre émission. Donc c'est Sébastien Célestine. C'est ça, bonsoir. Alors expliquez-nous un petit peu votre parcours. Sébastien Célestine, du coup j'ai 32 ans, je fais partie des 5 jeunes Guadeloupéens qui avons repris la librairie générale, donc institution qui fait partie du patrimoine depuis 1952. Mmh. Et donc on a voulu nous donner une nouvelle dynamique à cette entreprise et surtout qu'elle ne ferme pas, puisque le risque qu'il y avait c'était ça. La société, ben, il y a à peu près un an, avait été mise en redressement judiciaire. D'accord. Voilà. Donc avant liquidation, comme il y a eu récemment pour Fransantin. Donc il fallait trouver des plans de reprise ou de sauvegarde, enfin de reprise, puisque la sauvegarde était déjà passée, n'était plus acceptée par le tribunal, donc avec ceux qui étaient en place. Et on a travaillé du coup avec ces 5 jeunes-là, et puis aussi avec l'appui de notre société, enfin la société d'une partie des repreneurs Holmol sur le projet, à proposer quelque chose de cohérent, de pertinent aussi, surtout pour le territoire sur le long terme. Et donc on a été accompagné dans ce sens-là par la région Guadeloupe et aussi par des services de l'État, puisqu'on a dû remonter quasiment jusqu'à l'Élysée pour avoir des financements et que la librairie générale en Guadeloupe continue son activité. D'accord, donc vous allez nous expliquer un petit peu tout ça, mais vous avez aussi une autre entreprise. Oui. Et en plus, on a parlé de vous il y a quelques semaines, puisque exact. Vous avez été sélectionné, vous faites partie des entreprises qui sont sélectionnées sur la French Tech 2.0. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc notre première entreprise, enfin ma première entreprise avec d'autres associés cofondateurs, c'est Holmol Technologies. Donc, on connaît pour tout ce qui est distribution d'offres culturelles, loisirs, exactement. Billetterie, concerts, spectacles, etc. Et on a été sélectionné, donc il y a un peu plus de il y a 2-3 semaines, dans ce qui a été appelé le French Tech 120. Donc dans les 120 startups à suivre au niveau national par rapport à la croissance qu'on avait en termes de chiffre d'affaires. Donc il n'y en a eu que deux sur l'outre-mer qui ont été sélectionnés, une à La Réunion et puis nous sur la zone Antigues-Guyane. Donc j'étais assez content de ça, puisque ça arrive en fait pile à peu près 10 ans après le démarrage de la société. Donc après que moi je l'ai créé en parallèle de mes études. Et là maintenant on est 15 sur Holmol, avec la librairie qu'on a reprise où on est quasiment une vingtaine. Donc en tout ça commence on a beaucoup entendu parler du groupe Holmol quand il y avait la reprise. Il n'y avait pas forcément de groupe Holmol, mais bon, on est 35 là maintenant, donc ça commence à faire du monde et on est content de porter notre pierre à l'édifice dans le côté investissement local, comme c'est le sujet du jour. Et d'emmener du développement, créer de l'emploi et de l'activité sur place. Notre sujet, enfin mon sujet à moi dès le départ, ça a toujours été ça. J'ai une formation en gestion financière, en marketing stratégique. Enfin, je n'aurais pu faire autre chose que venir ici. J'étais plus destiné à aller travailler sur de la finance d'entreprise. C'est très bien, voilà. Parce que nous ici, on milite pour le retour, donc c'est parfait. Moi, je milite pour ça aussi. Et du coup, moi, j'ai fait le choix de venir développer mon pays. Plutôt qu'être spectateur et attendre que ça se passe en se plaignant. Donc ouais, la moyenne d'âge au niveau de Holmol, on doit être à 28 ans au niveau des employés, et moi j'en ai 32. Et sur la librairie, les repreneurs, la moyenne d'âge doit être peut-être à 30-31. Et là, parmi les employés, on en a repris qui étaient déjà dans l'entreprise une douzaine. Les 16 qui restaient, et là on a déjà réembauché quasiment 8 personnes. Donc les 12 qu'on a repris, la moyenne d'âge est très élevée. C'est des gens qui étaient très proches de la retraite, qui ont commencé à travailler dans la boîte, j'étais pas né. Et on a recruté des plus jeunes là. Donc c'est assez intéressant. C'est un challenge, c'est pas évident. Parce que voilà, même en termes de management et compagnie, c'est pas forcément évident. Mais j'imagine. On a beaucoup appris là depuis quasiment un an. D'accord. Appris.
Alors, je sais qu'au niveau de la librairie, vous avez développé en plus des autres choses. Par exemple, vous faites des conférences, vous faites des animations. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, l'idée au niveau de la librairie, c'est que ça ne soit plus uniquement un lieu dans lequel on vient faire ses courses pour la rentrée scolaire notamment. Mm-hmm. L'idée, c'est que ça soit vraiment un lieu de transmission de savoir, un lieu de transmission de culture. On se positionne comme étant vraiment le partenaire caribéen du savoir et de la culture. Et donc, c'est... Le projet, c'est que ça soit vraiment un lieu de vie, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y ait des gens dans nos librairies, dans nos espaces, toute l'année. Le projet final, c'est Caribbean Culture House. Donc, la logique, c'est voilà, la maison de la culture caribéenne. Donc, il y a une logique un peu de tiers-lieu. Il y a des espaces de co-working, il y a des espaces de formation. Par exemple, sur le lieu de Jarry, on a fait deux salles où il y a déjà des cours, par exemple, de soutien scolaire. Mm-hmm. L'idée, c'est de faire ça sur les différentes zones. Donc, on a Jarry, Pointe-à-Pitre, Moule. Et on va théoriquement rouvrir ensuite Bastia pour la rentrée scolaire, là. Parce qu'on n'était pas encore présent, enfin, on n'était plus présent sur la zone. Et du coup, aussi des conférences, dont plusieurs là, du mois de l'Afrique qui ont déjà eu lieu. Et une prochaine qui a lieu ce vendredi, dans une logique un peu de table ronde avec des entrepreneurs afro-caribéens. Mais sinon, c'est des thématiques assez larges. Ça va de l'auteur qui veut présenter son livre. Là, par exemple, samedi, on a eu Roots Éditions. Qui fait un travail très intéressant justement dans toute la logique autour des afrodescendants et notamment de la jeunesse afrodescendante où il présentait, j'ai plus le titre du livre, mais l'idée c'était de pour des enfants dans ce livre-là valoriser des personnalités. Le livre qu'elle a fait pour la fille de Malcolm X, peut-être, non ? Alors, il y a Malcolm Little, donc justement, qu'ils ont présenté. On était en plein dans la reprise. Exact, avec la fille de Malcolm X qui est venue, du coup, faire ses présentations dédicaces chez nous. Et là, c'est un autre livre qui vient de sortir, là, ce samedi. D'accord. Autour de personnalités du monde afro-caribéen. Donc, on veut accompagner toutes ces démarches. D'accord, bon bah c'est parfait. On revient vers vous tout à l'heure et pour l'instant, on va vous présenter Monsieur Tony Jazz. Donc Monsieur Tony Jazz qui va nous expliquer un petit peu son parcours et nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Barack Obama. Comment vous avez fait pour arriver là justement ? Alors si je reprends, on va dire le parcours depuis le tout début, je dirais qu'il commence là où je suis né, pas si long que ça, aux Abîmes à côté. D'accord. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 3-4 ans, après j'ai déménagé, je suis allé avec mes parents dans le 93, qui est le deuxième plus beau département de France après celui de la Guadeloupe. Il est métissé comme moi, on y apprend tout un tas de choses. Bon, certes, on n'en entend pas forcément parler en bien constamment, mais l'avantage qu'il y a là-bas, c'est que c'est un département qui m'a appris tout un tas de choses, parler des différentes langues, comprendre différentes cultures, m'ouvrir sur toutes les cultures qui existent. J'ai eu une scolarité absolument, on va dire, normale. Classique. Et après, je suis allé en fac, mais j'ai toujours eu ce petit attrait, on va dire, pour la musique. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait un peu de conservatoire, peut-être même un peu beaucoup de conservatoire. Mais le conservatoire ne m'a jamais véritablement attiré, parce que c'est un apprentissage qui est très classique de la musique. Okay. Et moi, je voulais apprendre à faire d'autres choses. Et donc, du coup, j'ai arrêté à peu près le conservatoire quand il a fallu se mettre véritablement à bosser pour le bac, parce que là, il faut se concentrer sur le bac. Mm-hmm. Après ça, des études de droit, toujours dans le 93. Et après ça, j'ai voulu vraiment me consacrer à la musique. Donc, c'était un peu le deal avec mes parents. C'était, t'as ton bac, t'as ton diplôme de droit. Et puis après, tu vas faire un peu ce que tu veux. Donc, moi, j'ai eu le bac. À l'origine, je devais faire HEC. Le seul problème, c'est que les frais de scolarité étaient énormes. Donc, du coup, je me suis forcément rabattu sur le droit. Et puis là... Je me dis, bon, bah, c'est bon, j'ai mon bac, j'ai mon diplôme de droit, donc du coup, maintenant, je vais faire ce que je veux faire, et donc c'est de la musique. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je suis parti, en fait, j'ai traversé toute l'Europe pour jouer avec des musiciens du monde entier, mais c'était vraiment purement spontané. On voyage, on rencontre quelqu'un, on joue avec lui, ça me sortait un peu de ma période un peu classique du conservatoire, et puis je voyais qu'on pouvait jouer de la musique sans partition, donc pour moi, c'était une découverte immense. Mm-hmm. Et après ce retour-là, j'ai toujours voulu repartir dans un pays qui m'était cher, qui était le Canada. J'avais fait un voyage avec ma grand-mère qui habitait dans le centre de Pointe-à-Pitre. Elle partait tous les ans avec son club de retraités. Et donc, de temps en temps, elle me ramenait avec elle et elle m'avait ramené au Canada, le pays que j'avais adoré. Mm-hmm. Et arrivé là-bas, je tombe en amour pour ce pays. Et je décide de revenir quand j'en ai la possibilité. Donc, après mes études de droit, c'est le moment où j'ai la possibilité d'y retourner. Donc, j'y retourne.
Et je commence à faire des petits jobs à gauche, à droite, à donner certains, quelques cours de musique à certains pour payer mon loyer. Sur d'autres, je donne des cours de français à des anglophones. Et ça dure à peu près comme ça 3-4 ans où je fais aussi le tour des bars, je joue avec des musiciens, ça se passe de mieux en mieux. Puis après, je passe à du studio et après, je passe à produire des musiques pour des artistes de là-bas, des plus gros artistes et de plus grands et encore en plus grands. Et du coup, ces personnes à qui je donnais des cours de musique, notamment celles à qui je donnais des cours de français, me disent « Bon, bah, Tony, on s'en va, on va arrêter les cours. À bientôt, on va aux États-Unis parce qu'il y a un mec qui veut devenir président et on veut absolument l'aider. » Donc moi, j'ai ma carrière musicale et je les entends me dire ça. Je dis « Bon, bah, c'est pas grave, profitez bien. » Les Canadiens sont très, très attachés à l'élection américaine parce que vu que leur seule frontière, c'est les États-Unis, forcément, tout ce qui se passe aux États-Unis peut les impacter directement. D'accord. Du coup, bon, bah, je les laisse voguer à cette élection. Et un soir, elles me disent « Tu devrais regarder la télé parce que ce soir, notre candidat passe. » J'avais pas vraiment porté d'intérêt au candidat parce que je me suis dit « Bon, elles sont parties faire un tour aux États-Unis, elles s'amuseront, puis elles reviendront à la fin du tour. » Et je le regarde à la télé un soir sur CNN. Je m'en souviens parfaitement. Il passait contre Hillary Clinton qui, lorsque elle parle anglais, je capte pas trop bien, enfin, j'ai une bonne maîtrise de l'anglais, mais pour moi, il y a beaucoup trop de techniques, je comprends pas trop. Et parle ce fameux candidat. Je me rappelle qu'au tout départ, il y avait écrit Barack Hussein Obama. Et moi, en voyant le mot Hussein, je me suis dit, ouh, ça faudra peut-être l'enlever parce que ça risque de pas être top. Et après, ils m'ont dit, bah, Tony, tu l'as regardé, ça te plaît bien. Moi, j'avais adoré l'homme, sa vision. Je le trouvais très proche d'un homme que j'aimais beaucoup, qui était Martin Luther King. Et je leur ai dit, j'aime beaucoup votre candidat. Ils m'ont dit, bah, ça tombe bien parce qu'on va avoir besoin de toi. On sait que tu as accès à des studios, on sait que tu composes, on sait que tu produis. Est-ce que ça t'intéresserait de créer une musique pour la campagne? Et comme ça, nous, on pourrait servir de cette musique pour atteindre les jeunes ou atteindre une certaine partie de la population. Et je me souviens parfaitement qu'elle m'avait dit à cette époque-là, il y avait Will Smith, Oprah Winfrey, Jay-Z, Beyoncé derrière. Et on me dit, tu vois, si tu y es, ça peut être pas mal, ça peut être une belle suite. Quoi. Donc forcément, quand tu entends tous les artistes que tu écoutes tous les jours, que tu vois à la télé constamment, tu n'as qu'une envie, c'est d'en faire partie. Tu vois. Donc du coup, évidemment, j'accepte et c'est comme ça que je crée cette musique que l'on vient de voir là. Qui a été retenue finalement. Tous les Will Smith et les Oprah Winfrey n'ont même pas fait, sont pas arrivées à votre cheville, visiblement. Oh, on en a entendu parler, mais disons qu'on a entendu parler de moi parce que j'étais le Frenchie qui avait bossé pour le président américain. Donc c'est pour ça que ça avait fait, ça a fait pas mal de buzz. Oui. Je me rappelle que celle de Will.i.am avait fait énormément de buzz à l'époque. Aussi, la mienne était un peu dans la lignée de Will.i.am. Parce que forcément, c'est quelqu'un qui m'avait inspiré à cette époque-là. Et donc forcément, on en entend parler mondialement, comme le petit Frenchie qui a fait la musique pour le président Obama. À cette époque-là, je faisais de la musique et beaucoup de marketing aussi. L'avantage des États-Unis, c'est qu'on peut toucher un truc aujourd'hui. Demain, il y a un autre truc qui t'intéresse. Si ça t'intéresse et que tu as envie, essaye. Et puis si tu es bon, on te garde. Et donc c'est comme ça que j'avais intégré après des équipes marketing et autres. Et je reviens... sur mes terres. Je me rappelle qu'à ce moment-là, au Canada, ça se passait très bien, mais je me suis dit, j'ai envie de construire et de faire pour mon pays. Donc, je reviens en France en me disant, je veux donner encore plus à mon pays. Donc, je crée une boîte en France qui est très spécialisée dans le marketing. J'écris avec des docteurs en droit des livres sur la spécialité que j'ai. Donc, moi, forcément, je n'ai pas de formation, mais j'ai une expérience. Donc, avec ces docteurs en droit, on écrit des livres qui sont les premiers livres qui ont été écrits sur le marketing sensoriel. Et je me rappelle à cette époque-là, via des rencontres et d'autres rencontres et des projets que j'avais faits, l'ancien Premier ministre Alain Juppé, me demande de venir à ses côtés parce qu'il veut continuer la mandature de maire dans sa ville et me demande de l'accompagner avec évidemment tout un tas d'autres personnes là-dessus. Donc moi, je me dis, l'ancien Premier ministre que je voyais petit comme ça. À côté d'Obama, C'est différent, mais c'est différent, c'est à notre échelle, la France. Oui. Donc je me dis, c'est super. Donc, évidemment, j'accepte. Et puis, je reste conseiller auprès de lui tout un tas d'années, notamment sur la partie innovation, sur la partie jeunesse, sur tout ce qu'on a pu voir, en fait, d'une manière générale. À la suite de ça, je crée un cabinet spécialisé dans le conseil aux entreprises avec une spécialité sur le conseil de crise. C'est-à-dire que mes clients sont généralement des boîtes qui sont dans la pétrochimie, comme Total. Enfin, je ne vais pas en citer, mais dans la pétrochimie, dans le tabac, dans le nucléaire ou dans l'armement parfois. Et donc forcément, il y a des tensions dans ce type de métier. Il y a des actionnaires qui sont très forts ou il y a des votes à l'intérieur de ces boîtes-là. Et j'arrive en tant que conseiller spécial lorsqu'il y a une crise pour...
pour démanteler tout ça. Pour démanteler tout ça et toujours être dans l'intérêt de mon client. Suite à ça, là, au plus récemment, j'ai écrit un livre dont le titre est « Comment se faire un réseau à partir de zéro mm-hmm. ». Donc de zéro, le petit département que tout le monde presque néglige, jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce qu'on crée en fait un livre qui s'adresse à toutes les populations qui souhaitent soit avancer dans leur carrière, soit dans d'autres choses. Mais voilà, montrer que de zéro, on a un réseau et on peut arriver à faire de bonnes choses. Et à la suite de tout ça, moi, je suis amené aujourd'hui à faire énormément de conférences, que ce soit en France, en Europe d'une manière générale, dans certains pays d'Afrique, beaucoup après aux États-Unis. Et on donne des conférences, je suis amené à faire des conférences à d'autres personnes où on a un parterre de personnes qui payent beaucoup, enfin plusieurs milliers, on va dire, d'euros pour accéder à ces conférences-là. Et on fait du conseil en direct avec ces gens-là sur l'estrade. On ne parle pas de nos vies, on raconte rapidement nos vies, mais on fait du conseil en direct avec des personnes dans la salle. Et très récemment, du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, je donne des conseils à ces gens-là. À côté de ça, j'investis énormément. J'investis dans l'immobilier, j'investis dans des entreprises qui ont tout un tas d'activités diverses et variées. Ça peut être dans les voitures, dans les métaux précieux ou autres, dans tout un tas de sujets qui peuvent être intéressants ou dont l'investissement peut être véritablement bon. Et je le fais ça avec une bande de personnes. Et très récemment, je me suis dit, un peu comme quand j'ai fait Canada-France, c'est bien, mais j'aimerais bien retourner cette fois-ci dans mon pays. Retourner chez moi. Ouais. Exactement, retourne au pays natal, comme on dit. C'est ça. Et donc, moi, j'aimerais... Donc là, telle est ma démarche aujourd'hui. Et du coup, encore une fois, merci pour l'invitation. Avec plaisir, au contraire. Mon objectif aujourd'hui est de venir... Tous les gens qui veulent revenir en Guadeloupe, venez, on vous reçoit. C'est ça. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, la fuite des cerveaux, c'est une chose que l'on voit énormément. Et je trouve ça absolument dommageable pour certains territoires. Je ne veux pas que mon territoire subisse la fuite des cerveaux. Et donc, du coup, aujourd'hui, parce que j'ai du temps, même si je suis investi en politique par ailleurs, toujours pour mon île, je souhaite quand même mettre à disposition mon savoir-faire, mon cerveau à disposition de n'importe quel Guadeloupéen qui souhaite créer sa boîte. Bon, ben ça, c'est génial. Alors, bien sûr, aujourd'hui, chronique juridique, puisque nous sommes le troisième lundi, alors moi je suis encore dans mon lit, le troisième lundi du mois. Donc, Maître Aurélie Thépeau, bonsoir. Oui, ça va, super. Alors aujourd'hui, comme bien sûr, hein, on avait parlé du mois de l'Afrique, puisque ça a été le thème qu'on a beaucoup, beaucoup traité ce mois-ci, donc Guadeloupe, Caraïbes, Afrique, entreprendre ensemble. Donc vous allez nous parler de la Caraïbe. Je vais vous parler précisément de l'OADAC, qui est une organisation qui vise à l'harmonisation du droit des affaires dans le territoire de la Caraïbe, puisque forcément, pour pouvoir commercer à droite à gauche, et notamment avec l'Afrique, il faut des règles à mettre en place. En fait. D'accord. Donc l'OADAC, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe. C'est une institution qui a été essentiellement créée pour viser le rapprochement et l'harmonisation et l'unification du droit des affaires dans le cadre géographique que sont les pays caribéens. Donc cette harmonisation, elle est nécessaire et essentielle pour pouvoir permettre de faciliter, d'intensifier forcément les échanges commerciaux avec, tant dans la Caraïbe en elle-même qu'avec l'extérieur. Le problème de la Caraïbe, donc, c'est que c'est une région qui est stratégique de par sa situation géographique, notamment elle est proche des pays très développés tels comme les États-Unis ou d'autres pays émergents comme le Brésil, le Mexique, la Colombie. Donc c'est quand même un pôle stratégique. Néanmoins, il faut savoir que c'est une région qui est compliquée puisqu'on est une région qui est proche, mais qui regroupe plein d'îles différentes et plein de pays différents. Et parfois même sur des îles comme par exemple Saint-Martin, où on va avoir deux nationalités qui vont se côtoyer, on ne va pas avoir d'unification de règles qui va être mise en place. Donc c'est quand même un cafarnaum juridique et c'est un peu compliqué d'évoluer dans cette zone. Donc le projet ODAC, il est né dans cette idée-là d'unification et d'harmonisation. Il faut savoir qu'il a pris naissance en Guadeloupe. Je le dis souvent. En 2007, lors d'une conférence qui s'est tenue à Pointe-à-Pitre, depuis donc d'autres conférences ont eu lieu, notamment à Port-au-Prince ou dans d'autres villes. Et on va avoir notamment en 2013, on va avoir des priorités qui vont être établies et qui vont mener à l'adoption de quatre propositions, notamment en matière de contrat, de société, d'arbitrage et de droit international privé. Donc on va avoir des réflexions pluridisciplinaires sur ces quatre domaines. Donc le principe ODAC relatif au contrat du commerce international.
ont pour objectif de répondre aux besoins d'harmonisation. Cependant, il est confronté dès le début, donc comme je l'ai dit, à la diversité et l'hétérogénéité des pays de la Caraïbe. Donc un aspect notable, c'est notamment que plusieurs pays de la Caraïbe appartiennent à différentes organisations, soit entre elles, soit même avec des organisations qui sont hors Caraïbes. Par exemple, je pense au Commons Law ou à l'ALENA, ou enfin d'autres organisations mondiales. Forcément, on a des unifications entre elles, mais il y a un problème parce que du coup, on n'est pas tous coordonnés ensemble. Oui. Voilà. Au surplus, on a un problème avec le fait qu'on est face à des pays qui sont de différentes nationalités, donc les politiques sont différentes. On a des nationalités, enfin des règles qui vont s'appliquer, qui vont se croiser et s'impacter entre elles. Et donc, c'est pas forcément évident du coup à faire. Et puis on a aussi, comme nous, des territoires, par exemple comme la Guadeloupe, qui sont soumis à la souveraineté de la France, ou par exemple la souveraineté anglaise pour d'autres îles comme la Barbade. Bon, je vous dis des bêtises, Montserrat par exemple, ou les îles Caïmans. Ou par exemple aussi on a les Pays-Bas qui vont aussi avoir Saint-Eustache, Sabah. Donc voilà, on a vraiment une pluridisciplinarité, on a vraiment beaucoup de législations qui vont s'entrechoquer, et ce qui est très compliqué. Au surplus, la diversité, elle n'est pas que politique, elle est aussi culturelle, puisqu'on a plusieurs langues qui vont être pratiquées sur ces territoires, français, anglais, espagnol. Et ça, du coup, ça va aussi se retranscrire dans la législation qui va être, du coup, compliquée à appliquer. Donc, l'ODAC a pris le parti de travailler dessus et de faciliter cette harmonisation. Donc, le but essentiel des principaux ODAC relatifs au contrat du commerce international est de mettre à disposition des commerçants, des particuliers, des entreprises établies sur les territoires caribéens, un instrument utile à la réglementation de leurs contrats internationaux et pour ainsi faciliter la sécurité juridique des échanges tant entre eux qu'avec l'extérieur. D'accord. Voilà. Donc c'est un projet qui est encore en cours. Il y a notamment eu une conférence il n'y a pas longtemps sur notre territoire et c'est en cours. Voilà. D'accord. Donc pour la prochaine fois, on vous tiendra du coup informé de cette histoire d'institution pour savoir un petit peu ce qui se passe. Surtout qu'on sait que nos entrepreneurs veulent exporter. C'est quelque chose de très important pour pouvoir ouvrir notre marché. On essaye désespérément d'ouvrir et d'exporter comme on peut. D'ailleurs, ça fait partie des questions que j'avais posées à notre président de la Chambre des métiers, donc Gabriel Foy. Donc qu'est-ce qui va être mis en place pour aider les artisans à exporter leurs produits? Parce que c'est vrai que c'est un coût quand même pour eux. Donc on se tiendra informé de cette histoire de DAC, c'est ça ? OADAC. OADAC, et on vous tiendra au courant au fur et à mesure, et de toute façon peut-être que vous pourrez nous en reparler à une autre période. Alors aujourd'hui, on va parler d'investissement local. Alors justement, on parlait de la Caraïbe, vous parliez de ce que vous avez pu investir, ou bien vous avez repris justement un pilier au niveau des entreprises guadeloupéennes, et c'est très important parce que ça évite surtout le chômage. Donc, quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je ne sais pas, comme vous venez juste d'arriver, est-ce que vous avez eu le temps de voir le marché, l'économie guadeloupéenne? Et qu'est-ce que vous pensez, comme ça, là, qu'il faudrait faire pour que les gens puissent enfin, même si on leur dit tous les... À part moi qui leur dis tous les lundis, je pense que ce n'est pas la solution qui fonctionne, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens puissent investir en Guadeloupe, pour qu'ils n'aient pas peur d'investir en Guadeloupe, et que les gens, au lieu d'acheter des 4x4, par exemple, se disent, on va prendre, des jeunes qui ont un projet, un petit peu comme les mécènes aux États-Unis, parce que ça, c'est quelque chose qui peut rapporter, en plus. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens puissent investir dans les sociétés guadeloupéennes et dans les sociétés locales, de manière à ce qu'on puisse développer un petit peu notre économie, selon vous? Alors, si je donne la vision investisseur, je dirais que pour que quelqu'un puisse investir dans une boîte, il faudrait, le terme n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas le rendre sexy. Et je pense que tu sais de quoi je parle, parce que tu as dû rendre ton projet forcément sexy pour attirer certains fonds pour la reprise, ce qui est absolument normal. Donc je dirais que dans un premier temps, ce qui va être important, c'est que vous puissiez monter ou créer, enfin il faut créer un projet et le rendre le plus sexy possible. La Guadeloupe, même si je n'y suis pas, je m'informe et j'essaie d'avoir un maximum d'informations sur ce qui se passe sur l'île, et j'ai mes relais sur place, donc forcément je suis au courant d'à peu près tout ce qui se passe. Génial. Que ce soit en termes de problèmes comme ça, que sur d'autres sujets, on va dire un petit peu plus bénéfiques. La Guadeloupe a plusieurs choses qu'elle peut exporter très facilement et qui ne demandent pas de frais spécialement. La première chose, les gens ne le voient pas comme ça, et pourtant ça l'est, la culture.
Oui. La culture est une chose qu'on peut exporter sans avoir besoin de conteneurs. Oui. C'est aussi simple que ça. Et il y a quelque chose de très simple. Quel est le pays qui a réussi à exporter le plus facilement sa culture ? C'est les États-Unis. On est tous influencés par la culture américaine. Effectivement. Et donc forcément, c'est la culture qui était le plus facile à exporter. Alors qu'avant ça, c'était la culture italienne. Et encore bien avant, c'était une culture, on va dire, un peu plus large qu'on va appeler la culture romaine. Après, la culture perse. Mais en tout cas, toutes les cultures se sont exportées. Et donc la culture caribéenne est une culture qui est très prisée. Vous avez qu'à regarder n'importe quel clip américain. Oui. Que ce soit dans la danse, que ce soit dans le chant, que ce soit dans le type de musique, la culture est la première chose qu'on peut exporter. Évidemment, après, certains diront que c'est bouché. Alors ça, c'est totalement faux. Peu importe le projet, d'ailleurs, que n'importe qui écoute cette émission et a, n'écoutez jamais les gens qui vous disent que c'est bouché. C'est absolument faux. De toute façon, n'écoutez jamais personne. Allez voir des consultants, comme on vous le dit souvent, et voilà. Allez voir des gens qui l'ont déjà fait, en fait. Voilà. Pas des gens qui ne l'ont pas fait et qui donnent des conseils sur des choses qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Donc d'un, exporter une culture, de deux, la Guadeloupe est remplie de richesses. On a, hier je rencontrais un agriculteur qui me montrait tout un tas de fruits et tout un tas de choses que l'on a sur notre territoire qu'il est très facile d'exporter et que même lui donne. C'est-à-dire qu'il dit, je vous donne des pieds de ça et faites-les pousser ailleurs et c'est gratuit, vous avez des terres, vous pouvez le faire. Donc en fait on a une richesse de terres que l'on peut cultiver. Et l'autre chose, c'est qu'en fait tout autour de la Guadeloupe, on a énormément de choses dans l'eau, dans la mer que l'on peut réutiliser, que ce soit des coquillages, que ce soit une certaine... En fait, ce sont des choses que la nature nous met à disposition. Alors, en fait, en réalité, on n'a qu'à se servir, le transformer un peu pour ensuite derrière le vendre. Donc, tout ce qui va pouvoir être aussi en termes de les produits artisanaux. Alors après, effectivement, là, si vous voulez qu'un investisseur rentre, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où vous avez votre établi que vous faites sur un marché, et que ça plaît, et que ça fonctionne, vous pouvez le reprendre et l'industrialiser. Alors pas l'industrialiser avec des machines, mais l'industrialiser en créant de l'emploi, comme là, avec des personnes qui puissent s'y mettre. Et après, à partir de là, vous allez avoir des investisseurs qui seront forcément attirés par ça, ils vont vouloir vous donner plus d'argent pour que vous puissiez créer plus de richesses. Évidemment, leur intérêt est d'en tirer parti, mais vous, en tout cas, ça vous fait grossir, et ça aide au rayonnement de l'île. Ben oui. Vous avez des idées, vous, d'autres choses ? Moi, je pense déjà, il faut qu'on évolue sur les mentalités, déjà, premièrement. En fait, que les gens n'aient pas peur d'investir sur notre marché, quoi. Pour vraiment dire sur l'aspect culture, en fait, nous, le projet initial sur Olmol, c'était Olmol Caribbean, c'était une plateforme, justement, pour faire rayonner tout ce qui est culture caribéenne. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à travers les différentes musiques de la Caraïbe, que ça soit, par exemple, le reggae, le zouk, la salsa, le compas, etc., le dancehall, c'est écouté dans le monde entier. Les artistes, pas forcément sur la partie caribe francophone, mais la partie caribe anglophone, notamment avec la Jamaïque. La Jamaïque, c'est la culture, c'est un pourcentage du PIB qui est très important. Très important. Parce qu'ils font justement cet export de leur musique et surtout, ils ont réussi à créer une logique un peu de tourisme culturel avec tous les gens qui sont fans de reggae, de dancehall et compagnie, qui viennent à des gros événements qui attirent du monde de l'extérieur. Chose qu'on ne fait pas forcément encore ici aujourd'hui. On commence à monter de très gros événements, mais c'est plus pour nous que des événements qui font venir... Qui soient vraiment touristiques. Ouais, voilà. Donc à part après des choses éventuellement comme Haute du Rhum, Terre de Blues à Magarland qui commencent à ramener du monde. Mais au-delà de ça, il y a énormément de secteurs où on a des choses à faire. On a des choses à faire, je vois nous dans nos domaines, et notamment sur tout ce qui est lié un peu au numérique, technologie. Moi je suis vice-président de l'association Guadeloupe Tech qui rassemble les acteurs du numérique en Guadeloupe. Il y a énormément de services qui n'existaient pas. Ça fait peut-être 3 mois ou 4 mois maximum qu'il y a un service qui permet de faire de la commande en ligne de nourriture et de se faire livrer. Enfin, restaurant et compagnie, ça n'existait pas. Mais je ne sais pas combien d'emplois ils ont déjà créé. Il y a énormément de choses comme ça. Et sur les services, tout simplement, ne serait-ce que... On reste quand même une île, donc, enfin une île orientée sur le tourisme théoriquement, et pourtant il y a énormément de choses que des touristes attendent ou des activités qu'on pourrait leur proposer qu'ils n'ont pas sur le terrain. Qui n'existent pas. Sur l'agriculture, l'agriculture pour moi c'est le sujet sur lequel ici on est, on est le plus en retard, il y a le plus de potentiel. C'est pas normal qu'on consomme quasiment, on va dire, 80-90% de choses qui ne sont pas produites ici. Et ça créerait des centaines d'emplois, voire des milliers d'emplois, si on prenait le temps de se nourrir. L'agro-transformation, c'est, là, il n'y a pas de secret. Il y a énormément de choses à faire. Il y a l'investissement, des investisseurs qui sont prêts après, parce qu'il faut mettre quand même des moyens. Il y a des choses à faire là-dessus.
Nous, on travaille une autre boîte, parce qu'on fait beaucoup de choses. Il y a une autre boîte sur laquelle on travaille, qui s'appelle MyDiTech, qui fait tout ce qui est agriculture connectée. Mm-hmm. Donc, on permet justement, parce que nous, on croit justement que cette agriculture, pour qu'elle se développe, il faut qu'on ait les outils pour. Donc, on fait des bornes météo, on fait de l'analyse avec de l'image de drone, des capteurs pour les animaux, etc. Parce que justement, on a constaté que les agriculteurs, les petites exploitations, comme ça ne génère pas forcément assez de revenus, ils sont obligés d'avoir une activité en parallèle. Mais l'activité en parallèle fait qu'ils peuvent pas être sur l'exploitation en permanence. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de passer tous les matins, tous les soirs, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'y a pas une bête qui a été attaquée ou qu'on leur a pas volé un animal. Mm-hmm. Et en fait, ce type d'outil-là peut leur permettre de faire ce type de surveillance à distance, éviter d'arroser quand il y a déjà eu de la pluie ou d'arroser pendant qu'il pleut, parce que ça arrive, ouais. Avec des trucs automatiques, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça crée des emplois. Sur cette boîte-là, on est déjà 4 personnes qui bossent à temps plein dessus, alors qu'on n'a même pas encore vraiment déployé tout ce qu'on a à déployer. D'accord. Donc, il y a énormément d'opportunités. Rapidement, 05 90 96 10 10, le premier qui appelle va gagner 2 places pour le spectacle de Gerty Archimède, l'âme du peuple. Donc on vous a parlé de Gerty Archimède la semaine dernière, et il y a la scène de théâtre, la pièce qui aura lieu demain, le 18 février à 20h au Ciné-Théâtre du Lamantin. Donc si vous voulez gagner 2 places pour aller voir cette grande dame guadeloupéenne qui, comme je le rappelais, a aussi eu l'occasion de défendre Angela Davis à l'époque où elle est venue en Guadeloupe. Donc n'hésitez pas à appeler, le premier qui appelle donc gagnera ces 2 places. Alors pour l'investissement local, une petite question, puisque c'est quelque chose qu'on entend chaque année. Qu'est-ce que vous pensez du carnaval et comment on peut faire pour enfin le professionnaliser? Parce que par exemple le Brésil, c'est un gros c'est vraiment un gros gain qu'ils ont avec leur carnaval à eux. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut faire pour exporter, j'ai envie de dire, ce carnaval qui fonctionne quand même bien? Il y a quand même des groupes qui font de beaux costumes, de beaux uniformes, tout ce qu'il faut. Donc comment vous pensez qu'il faudrait faire pour vraiment ouvrir un petit peu? Je vois qu'en Barbade, il y a Rihanna qui vient tous les ans, et ils vendent des costumes, donc les gens peuvent commander leurs costumes à l'avance et participer à vraiment le défilé du carnaval. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose au niveau de l'économie locale qui peut vraiment rapporter de l'emploi? Parce que je pense que si on arrive vraiment à exporter et à faire un vrai tourisme sur le carnaval, je pense que les gens peuvent travailler au moins 9 mois dans l'année sur l'organisation de vraiment des vacances avec les touristes, les emmener dans tous les endroits, parce que le but, c'est pas qu'ils restent bien sûr coincés dans les hôtels, et surtout dans la fabrication des costumes et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Le carnaval, on a un carnaval qui est très associatif ici. Oui. C'est pas forcément un carnaval entre guillemets business aujourd'hui, et souvent avec des groupes, en tout cas les groupes les plus populaires qui sont un peu quand même dans des logiques de défense de certaines choses d'un point de vue culturel ou identitaire, et qui va pas forcément avec la logique de je vais vendre des costumes et compagnie. C'est pas opposé, mais qui en tout cas idéologiquement, pour moi, de l'extérieur, je suis pas un membre de groupe, etc., va pas forcément avec ça. Je sais qu'il y a eu des tentatives là-dessus. Mm-hmm. On nous avait même sollicité, je crois, une année sur le gosier pour mettre en vente des packs, etc., mais plus s'adresser aux touristes. Mm-hmm. Je crois que ça avait pas trop pris. Je pense que culturellement, on n'est pas dans cette démarche-là pour le moment. Mais c'est plus nous, parce que notre carnaval... Il faudrait s'y mettre quand même. Ben, sans que l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas non plus en fait, dénaturer le truc. C'est-à-dire que... Oui. Je pense que ça dépend des groupes. Il y a peut-être des groupes qui sont plus propices à Gambo, ça. Gambo, Star et tout ça, ils peuvent très bien défiler. Je ne sais pas, il y a des groupes comme ça. Je vois Prestance, Excellence et tout. Ils mais peuvent très bien défiler. C'est vrai que c'est un vrai business. Hein. Mais oui. Sur la Barbade, Trinidad et compagnie, les gens, ils dépensent des milliers d'euros mais c'est ça. Pendant 4 jours de carnaval. Après, ils ne payent pas que le costume. Ils payent tout un truc qui va avec. Et leur voyage, les sorties, en fait, quand ils achètent un costume... Enfin, moi, j'ai des amis qui ont eu l'occasion d'y aller. Quand ils achètent un costume, en réalité, ils payent aussi tout le service qui va avec pendant le défilé, les boissons, la sécurité, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans notre carnaval, il y a de la sécurité dans les groupes, mais on n'est pas au même, entre guillemets, niveau de prestation.
C'est-à-dire que la personne qui vient, elle achète une expérience et il faut lui donner son... Enfin, c'est le monde anglo-saxon. C'est ça. Et il faut lui donner son expérience à 100%. Mm-hmm. Ben, si c'est leur groupe où va y avoir justement Rihanna qui défile, il faut qu'elle puisse être à moins de 10 mètres de Rihanna, potentiellement faire son selfie, même si on n'aperçoit qu'un bout de... Une plume. Voilà. Mais elle pourra dire machin. Et la personne est prête à payer pour ça, excessivement cher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas dans ce schéma-là ici. Il faudrait. Faudrait développer ça. Si on veut être dans une logique économique, il faudrait. Au moment qu'on commence à y réfléchir. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Alors, il y a des gens qui appellent pour demander comment on fait pour vous contacter. Comment ils font pour vous contacter, justement. Bon, alors, on mettra tout ça, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous avez un numéro à donner? Le plus simple, c'est mon Instagram. Je réponds à tout le monde. @TonyJazz, TonyJazz. C'est le plus simple. Instagram, TonyJazz. Et vous, pareil, comment on fait pour vous contacter? Librairie antillaise, Zolmol, de toute façon. Librairie générale, ou Zolmol, vous envoyez des messages à l'un ou à l'autre. Si c'est pour moi en particulier, vous demandez pour Sébastien, ça. Oui, on peut appeler à l'accueil, c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé à l'accueil de la librairie, ils donnent assez facilement les numéros. Alors, est-ce un que peu vous trop avez... facilement. Hein. Oui, ils vont passer, ils donnent assez facilement. Oui, vous pouvez l'appeler, enfin, ouais, il n'y a pas de souci. Alors, pour revenir au mois de l'Afrique, alors ce soir à 19h, il y a la conférence de Juliette Smeralda qui va parler des pratiques culturelles guadeloupéennes et domination coloniale. Et c'est une entrée libre, comme vous connaissez, hein, entrée libre, participation solidaire. Ça va se passer à la bibliothèque municipale rue Bédian à Mornalo. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et demain, donc à la librairie générale, donc celle qui est à Jarry. Voilà, donc elle sera en séance dédicace chez vous, donc de son dernier livre. À 10h du matin, exactement. Donc si vous voulez voir Juliette Smeralda, profitez-en, hein, parce qu'elle est venue en Guadeloupe spécialement pour le mois de l'Afrique. Je sais que beaucoup de gens suivent beaucoup ce qu'elle fait en Martinique, ou bien ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, parce qu'elle parle beaucoup du cheveu, elle parle beaucoup de tout ce qui est culturel pour les Antillais. Donc n'hésitez pas, profitez-en pour aller à la librairie générale demain à 10h. Et surtout, il y a une table ronde pour les entrepreneurs, donc vendredi 21 février, donc à la fin de cette semaine, à 19h. Donc c'est une table ronde avec les entrepreneurs afro-caraïbéens. Donc vous y allez, vous pourrez faire des échanges, des partages et parler de tout ce qui est frein justement au développement. Donc pourquoi on n'arrive pas à développer certaines entreprises? Quels sont les freins? Quelles sont les choses qu'il faudrait mettre en place pour qu'on puisse développer ces fameuses sociétés? Et comme je le disais tout à l'heure, il y a le spectacle demain, donc de Getty Archimède, qui va se passer à 20h au Cinéthéâtre du Lamantin, et le samedi 7 mars 2020 à la salle Robert Loison du Moule. Comme vous le savez, l'année dernière, au niveau de la région Guadeloupe, sur le site de la région, et on va dire dans toute la communication de la région, la personnalité publique qui a été mise à l'honneur pendant toute l'année 2019, c'était Gertie Archimède. Et ça, c'est vraiment la dernière pièce de théâtre qui reste encore, que vous pouvez aller voir, qui a été faite pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette grande dame guadeloupéenne qui a eu une carrière même politique, même au niveau politique, hein, on va dire que c'était la première dans tout. Donc c'était une femme, et à l'époque bien sûr les hommes ne voulaient pas voir de femme avocate. Donc n'hésitez pas à aller voir cette pièce de théâtre qui a été mise en scène par Eliane Arnel-Cancel. On mettra les billets à gagner sur les réseaux sociaux tout à l'heure, en fin d'émission comme d'habitude. Un petit mot pour la fin avec un contact, donc vous avez déjà donné le contact, donc un petit mot pour la fin. Un petit mot, ben déjà merci pour cette visibilité-là. C'est toujours bien qu'on puisse mettre en avant ce qui se fait en termes d'entrepreneuriat local. Et j'espère que tout le monde viendra à la librairie générale cette année pour la rentrée scolaire. Et puis on est là aussi pour les autres moments, dans le cadre des conférences notamment. Bon, bah, très bien. En tout cas, merci à vous pour ce que vous faites et merci d'avoir repris cette institution, j'ai envie de dire, en termes de librairie. Quand on a des choses comme ça, il ne faut pas les laisser partir. Un petit mot pour la fin? Eh bien, merci Sabine. Heureux de retourner chez moi et hâte de travailler pour ma chère Guadeloupe. Bon, bah, j'espère que ça vous a fait plaisir, hein, la petite émission, pas trop stressée. De toute façon, je sais qu'on va travailler, on va retravailler ensemble, on va mettre des choses place et on pourra vous en parler. Maître Tripot. Ben... Au revoir, merci. Au revoir, prochain.
D'accord, merci pour cette chronique. Hein. Comme ça, ça permettra aux gens de savoir un petit peu plus d'informations et on suivra un petit peu ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc, à la semaine prochaine, ou peut-être pas, hein, faudra que je me renseigne, puisque c'est lundi gras, donc je pense pas qu'il y aura d'émission la semaine prochaine. Donc, à lundi 2 et le 2 mars, on a fini avec le mois de l'Afrique. C'était la dernière. Aujourd'hui, on va revenir sur nos artisans guadeloupéens. D'ailleurs, ils nous ont même, ils m'ont même offert alors, des dombrés de douche, je vous les montre. On va pouvoir parler de ça la semaine prochaine. C'est fait en Guadeloupe avec des produits guadeloupéens comme d'habitude. Donc rendez-vous le 2 mars avec nos artisans et on reprend notre programme habituel. Au revoir et bonjour gras à tous. Voilà. Merci.